Ouloulou, hey, quatre gens peuple gen koured. El Shaddai ap kode, peuple Israël la même ap décodé. El Shaddai ap défendre cause yo, mais yo même c'est pas ça yo ouais. Eh ben, c'est trahison sous trahison y ap trahi El Shaddai. Eh ben, si nous gardez bien, relation ça, c'est une relation à sens unique. Vin tenter. Au salut, c'est encore l'unique qui vient porter parole de vie dans Nombres chapitre 24-25. Le sujet, c'est parole célèbre de Balaam et idolâtrie d'Israël à Moab. Parole célèbre de Balaam et idolâtrie d'Israël à Moab. On prie pour commencer vidéo ça. Rédempteur El Shaddai, une fois de plus, moi venir devant face bénion pour me capable demander une faveur pour vidéo ça qui pourra le faire encore fusionnement 24-25 dans Nombre. Côté moi mando pour capable voir paracle assister moi pour me capable bail peuple en vérité selon je demandé et moi même tout pour capable joindre l'édification pour n'en pas. Moi prier comme ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est pas mes petits touyer choua qui vivra au siècle des siècles. Amen. Donc et salut c'est encore moi même l'onique vient porter parole de vie dans Nombre chapitre 24-25. Fusionnement a fait dans 24-25 et le sujet c'est parole célèbre de Balaam et idolâtrie d'Israël dans les plaines de Moab. Donc ouais côté Balaam c'était un prophète qui était qui était en conspiration avec Balak qui était roi dans zone Moab là pour être capable de maudire peuple Israël et nous ouais que El Shaddai était campé en croix côté il était déjà fini de dire non et bien il était ouais t'es gain enchantement, ça veut dire que t'es gain belle bagaille, t'es gain bagaille qui t'a réjouicule parce que il est en présence du roi, t'es gain pile belle offre. Eh ben il était décidé à le remander El Shaddai ça encore. Et ben alors El Shaddai était dit ben si qu'on sauve les faire là le faire et puis il était chita son âne, son bourrique hein. Ah non bourrique, bah en tout cas, âne, son âne bah quoi c'est un bourrique un âne. Et il était chita sous lui et puis et Betlan pas de le déplacer, eh ben El Shaddai te paraît en face lui pour être capable de contrecarrer par rapport à la décision ça. Et nous te ouais qui commence à dériver, il était obligé pas qu'à apparaître encore devant Balak, mais pourtant Balak lui-même l'a persisté parce qu'il connaît ça le besoin. Donc n'a fait lecture encore dans Bible Gédéon et puis et parallèle a fait dans l'autre Bible. Dans chapitre 24 là dans Nombre, il dit Balaam vit que El Shaddai trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. On dit qu'on ça qui un enchantement. Selon le petit Robert, un enchantement c'est un bagage qui est merveilleux, son bagage qui surprenant, son bagage qui captive le cœur et le sens. Qui nous connaissons sans sens, ça veut dire les yeux, la bouche, les oreilles, bah tous ces sens. Donc son bagage qui satisfait, qui bah on joie. Et pour qui sinon capable prendre référence dans Nombre 23 dans chapitre qui avant chapitre Maplian. Et si nous prenons Nombre chapitre 23 et dans verset 13, il dit Balak dit Balaam, viens donc avec moi un autre lieu. D'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Donc, ça veut dire que, qu'on fait des routes ensemble, ça veut dire que, compagnie, enchantement, lui-même, dans ce sens-là, c'est compagnie, et les terrains, mais accompagné, ouah. Ça veut dire que, nous-mêmes, moi-même, avec vous, il y a des fois, nous, il y a un gros problème, n'est-ce pas? Nous, mais, oh, moi-même, c'est avocat, moi-même, c'est médecin, moi-même, ça va, nous, ben, qu'on est qui, genre de action, on a fait, non? Qui mauvaise action. Maman va cou c'est à fond qui te le donne des fois tout c'est gros donc tu es jeune on commence par là Nombre chapitre 24 qu'on a là et dans verset 2 Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus alors l'esprit de El Shaddai fut sur lui Balaam prononça son oura qui dit il pas un choix parce que El Shaddai contre Karel déjà et dans mi-temps route là dit ouais il pas jamais connaît que Anne qu'on parler Anne n'en parler donc et il surpris il pas capable mettre à parler il pas capable faire il pas capable faire encore parce que grand monde n'y parler parce que les chats d'arrive l'on bagarre fait pas grand monde parce que il dit comme ça que si me frappe qui est-ce qui capable résister donc il clair non ça l'a prononcé n'est-ce pas Donc, Balaam, pas un choix pour parler avec Balak fermement, il n'a pas un choix pour prononcer de belles choses pour Israël parce que le maître a parlé. Il dit parole de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Ça veut dire que je l'ai fermé avant parce qu'il n'est pas capable de voir la vérité, il n'est pas capable de comprendre. Donc, il dit parole de l'homme qui a l'œil ouvert, ça veut dire que je l'ai beaucoup ouvert. Donc, nous, Moïse, et nous songeons, El Shaddai a fait route avec Moïse, n'est-ce pas? Côté Moïse, malgré toute saleté faite, toute miracle qui était faite à travers Moïse, Moïse demandait, El Shaddai, ouvre les yeux pour le capable, ouais, ouvre mes yeux, je veux voir. Et n'est-ce pas? Et dans Exode chapitre 33, n'est-ce pas? Verset 13. Il te demande ça. Exode 33, 13. Merci, Seigneur. Je vais encore bien vite. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Donc, il te demande ça. Donc, nous, comment ça? Et donc, nous, donc, il y a de l'air ou à la prière, ou à la prière, ou pourquoi, ouais. Sans ça, c'est troisième œil là pour ouvert. C'est œil ordinaire qui ouvert, troisième œil là qui c'est l'œil spirituel là pour ouvert. Donc Balaam a parlé qu'on a là des yeux ouverts puisque l'esprit de El Shaddai vient sous lui qu'on a. Bon nuance oui. Ça veut dire que le était là c'est prophète l'idée mais il peut côté arriver dans dimension parce que bah c'est une étape oui, n'est-ce pas? C'est ça qui fait me content le moi mon nan lui même lui fait en tout cas. On continue. Et Nombres chapitre 24. Verset 5, il dit, quelles sont les belles tentes au Jacob, tes demeures. Donc, on connaît que Israël représentait Jacob, nous songez que non, Jacob était changé en Israël. Donc, là, parler de Jacobitio, c'est Israélitio dit, pour qui ça, parce que, El Shaddai était changé, non, Jacob, il était dit, après combat, ça, il dit, m'a pris le Jacob encore, n'est-ce pas? Et m'a pris le Israël. Donc, c'est ça que fait, il dit, comme ça, que, quelles sont belles tes demeures au Israël. Donc, nous, ça nous te voit ça dans Genèse, chapitre 32, et dans verset 28, là, côté, et El Shaddai avec, l'ange de l'éternel te combat avec, et Jacob. Donc, c'est à partir de là que dans Genèse 32, et dans verset 28, là, et 28 à 29 même, nous sommes capables de dire que non, il t'est changé. N'est-ce pas? Et donc, son actionnaire Jacob, nous connaissons ça très bien. Donc, Nombre chapitre 24 pour nous continuer. Et il y toutes sortes de bénédictions pour un peuple israélien parce que, comme nous dit, il n'y a pas de choix parce que El Shaddai est là, El Shaddai a parlé. Mais Gomba il dit, et Gomba et Balaam dit, parce que nous commençons les paroles célèbres de Balaam. Qui parole célèbre ça? Et nous venons parole ça dans Nombre chapitre 24, verset 17. Il dit, je le vois. On a là la expliqué qu'on a qui sa loi parce que nous le Saint-Esprit sous lui, l'esprit de El Shaddai sous lui. Donc, on a là, l'esprit de El Shaddai a ba monsieur une vision eschatologique. Ça veut dire que une vision eschatologique, son bagage qui long, qu'on bagage futur, on bagage qui loin. N'est-ce pas? Il dit, je le vois, moi, on bagage. Non, maintenant, c'est pas qu'on y a, je le contemple, m'a regardé là, m'a admiré là, mais non de près. Il n'est pas prêt. Un astre sort de Jacob. Un astre, ça veut dire que yon étoile. Qu'on bagage a brillé un astre sort de Jacob, il voit un bagage a sorti dans Jacob. N'est-ce pas? Ça veut dire que un astre a sorti dans Jacob, un monde, il représentait un monde, son figure de style que l'employé, son métaphore, ça veut dire un monde. Si nous regardons dans Ruth chapitre 4, parce qu'on a parlé de bagage là, il dit un astre sort de Jacob, ça veut dire un monde qui a sorti dans Jacob, un descendant de Jacob, un cep s'élève d'Israël, ça veut dire un bâton a sorti en Israël. Mais, par définition, il perce les flancs de Moab. Mais c'est dans Moab la sortie. Ça veut dire que, nous songeons que Moabite avec Israélite, parce que amis, mais il ouais que c'est dans Moab. Ça veut dire que, et c'est Moabite qui te voulait, à travers Balak, pour le capable maudit peuple Israël. Et pourtant, descendant Jésus-Christ, c'est dans Moab la sortie. À travers Ruth, dans Ruth chapitre 4. On voit que Naomi, depuis Naomi, Machlon avec, comment on l'encoura, Ruth est venu rencontrer avec Machlon. Qui t'est mort, donc qu'il vient attaché à Naomi Belmel, c'est de là qu'il vient rencontrer Boaz, qui fait yon, en tout cas, nous pas besoin de tout ça, et qui vient, n'est-ce pas, qui vient faire, que Jésus sortit dans descendant ça, parce que c'est dans Moab il sortit. Et si nous on est dans Matthieu chapitre 1er, Abba nous bagay lan bien Matthieu chapitre 1er moi fait exercice ça déjà hein m'obligé faire encore bien vite avec nous juste pour nous capable pour pas perdre pour nous pas perdre du trop donc nous connaît que c'est selon société patriarcale là et bien que et Joseph c'est papa adoptif Jésus mais du côté par génération et Joseph lui-même c'est dans la tribu de Judas que sorti et là n'a suivre trace généalogique Joseph parce que nous dit c'est société et si c'est dans la société matriarcale c'est dans la tribu de Lévi il t'a sorti parce que Marie sorti dans Lévi mais c'est société patriarcale c'est garçon t'est commandé c'est dans Joseph il sorti pour regarder dans Matthieu chapitre 1er généalogie de Jésus-Christ fils de David il dit que Jacob t'a engendré Judas et ses frères Judas t'a engendré Tamar nous songez Tamar c'est ça pas et on dame qui pas jouer qui était couché avec Bopel parce que était balé dans Fomamite donc il engendré bagay Salmon et puis d'où consacré Salmon dans verset 5 là dans Matthieu 1er verset 5 il dit Salmon engendra Boaz de Rahab la prostituée qui était sortie dans pays dans terre et Canaan donc bah yo gen chaîne yo donc pour qui ça tout monde ça sorti dans bah ça yo t'a ka dit oui pour qui ça Rahab son prostituée c'est maman Boaz eh bien il fait et puis il est fini encore Moab et Ruth c'était son prêtresse de Baal ça veut dire que El Shaddai capable prendre mauvais pour capable faire tourner bon même avec ou pas critiquer là nous on a fait mauvais bagage dit mon nan qui OK moi avec on fait faut pour quitter péché pas dire oh mes amis fait prostituée ça ou bien vieux criminel ça parce que nous pas comprendre Rahab c'est un prostituée de haut calibre dans zone côté il est sorti c'est maman Boaz et puis et Ruth c'était on prêtresse qui était qu'on a sacrifié Timon pour Moloch qui vient joindre grâce dans Dieu bon Dieu deux accouplements ça yo dans Dieu El Shaddai pour Jésus-Christ de Nazareth le fils du Dieu vivant capable de sortir dans descendant donc ça veut dire que nous bagayo Jésus fait un non étable il pas fait non bagay riche c'est tout bagay pour symboliser pour montrer que il est capable de sortir de bas pour capable aller haut ça veut dire que vraiment avec vous nous faisons plus attention en exhortant toute sagesse parce que nous pas compte demain au monde nous pas compte qui ça réservé pour monde et souvent nous ouais monde qui critiquer oh tel pas qu'à convertir ouais parce que tel bagage mais moi avec vous nous ouais bagage là on continue pour pas perdre du fil bagage là donc les ouais les gagnant une vision eschatologique que c'est de Ruth la Moabite que Jésus-Christ a bien descendant a sorti de descendance ça par rapport à Joseph qui dans société patriarcale nous l'île si nous besoin plus d'explications li Matthieu chapitre 1er pour nous voir arbre généalogique Jésus-Christ. Donc moi fait exercice ça déjà donc son révision m'a fait parce que faut bagaille fait pour ne pas perdu pour nous côté au sorti. Donc il dit encore il sera maître des dons ça veut dire que verset 18 il sera maître des dons nous dit encore et donc c'est Ésaü qui parce que nous Jacob avec Esaü c'était jumeau, t'es frère jumeau, t'es gain un pile dérapage et l'autre là t'es prend droit d'aînesse, il t'es prend et bénédiction tout ça. Donc ça veut dire il sera maître des dons, ça veut dire que et nous t'es ouais Edom veut dire ous, ça veut dire que Esaü vient mettre Jacob, il sera maître de Séir, de ses ennemis, ça veut dire que même zone là toujours, Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Donc ouais nous songer n'est-ce pas relé Jésus de Nazareth souverain bien. N'est-ce pas? Donc donc nous dans Apocalypse chapitre 2 verset 28, on a parlé de étoile en as brillant, il est Jésus étoile brillant du matin. Qui c'est dans Apocalypse 2 28 pour nous pas confondre, n'est-ce pas, avec Ésaïe 14. Ésaïe 14 verset 12 qui dit qui parlait de l'astre brillant, c'est pas ça dit non. Il dit comme ça que on astre qui brillait. Attendez oui, on et Jésus son étoile brillant, on a son étoile brillant du matin. Dans Apocalypse 2, 28, tandis que chérubins jadissants sont astres brillants parce que sont étoiles liées et tout, parce que nous songeons que c'est un chérubin, il fait partie de chérubin. Chérubin, c'est plus près de Dieu. Ça veut dire que El Shaddai, son feu dévorant, il était prêt. Ça veut dire que il était éclatant. Faut nous faire attention parce que des rencontres en musulmans. On le même avec nous, on fait gros discussion sur bagaille ça. Et a fait de bagaille. Et il dit, oh, bagaille, pourquoi ça aurait les, Jésus, astre brillant, et puis, il y aurait les, chérubins jadissants, c'est astre brillant, ça veut dire que c'est Jésus. Il me dit, attention, je dis, étoile brillant du matin, le soleil levant, avec astre brillant, parce que tout astre me dit comme ça, et c'est les plus, parce que yon astre sont étoiles. Il m'a dit, c'est faire des distinctions, mon frère. C'était très, ça nous fait près de 2 ans, Mavel. Donc, ça veut dire que, essayez, comme Bible, nous, essayez, prier pour, là, nous rencontrons une série de monde, parce qu'il y a cuisiné, nous, et puis, il y a cuit, nous, et puis, il y a cuit. Donc, la pervers. Donc, on va continuer. Donc, nous, c'est pour nous prudents. Matthieu 7, 24 m'a dit nous, pour nous prudents, pour nous bâtir la sous roc là, parce que si nous ne bâtissons pas sous roc là, nous ne sommes pas prudents, nous chirons. Donc, on a là, Balaam vit que Amalek prononça son oracle et dit Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Là, il y a toute bagarre qui va le passer. Là, il y a des visions, côté qui va le détruire, côté qui va le camper, toute bagarre ça. Mais, il y a qui attire attention encore. Dans verset 21, il dit Balaam vit les Kéniens, il prononça son oracle et dit ta demeure est solide. Et ton pied et ton nid posé sur le roc, mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'amènera captif. Ça veut dire que nous dépendons, c'est même génération toujours, nous connaissons que l'Assyrie a servi peuple Israël. Ça veut dire que la tribu du nord, parce que nous, Israël, c'est divisé en tribu du sud, qui c'est la tribu de Judas, et on partit dans la tribu Benjamin, et puis on partit dans Lévi, et puis tandis que l'autre distribue dans la tribu du nord, c'était Assyrie, tandis que tribu du sud là c'était Babylone. Donc bagarre ça n'a avancé graduellement, c'est parallèle n'a fait bagarre la Bible en pile. Histoire en pile mais faut nous connaître Bible là mais nous faut nous connaître. Bagarre ça nous pas voulait pour nous rentrer dans trop de détails pour ne pas perdre du fil sujet parce que nous pouvons vraiment arriver dans bagarre ça mais quand même faut nous avant-goût des choses par rapport à histoire là parce que c'est une vision eschatologique, une vision future la parler là. Donc ça veut dire que c'est dans bagarre ça où la rentrer là mais même j'en la rentrer là petit détail que l'ouais mais même ba petit détail tout qu'a privé dans notre chapitre même pas capable de focaliser, même pas capable de rester là-dedans. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Et il dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi, mais dans des navires viendront de Shittim. Donc, ça veut dire que la palais, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu. La palais que Assyrie pral humilier Hébreux, qui ça veut dire que la tribu du nord, parce que nous dit que tribu du sud, la tribu de Judas, elle était en captive chez les Babyloniens, que nous est Daniel à Babylone avec Nebuchadnezzar. Tandis que nous est tribu du nord, là, lui-même, c'est sous domination Assyrie, que l'ité, nous était, ouais, que, et c'est dans zone ça que Jérémie le prophète et puis tout le prophète ça Ézéchiel tout le monde ça c'est dans la tribu du nord et nous ouais Akab et c'est dans zone noralité et tout et puis bah ça donc on a venu sous bah ça et là on arrivé dans bagage ça donc on a continué donc Balaam qu'on a là pas gain choix Balaam camper mais nous voit que Balak et t'es dit on bagaille dans chapitre 23 dans Nombres 23 verset 25 nous voit que Balak t'es dit à Balaam ne le maudit pas mais du moins ne le bénis pas. Donc nous voit que dans Nombres chapitre 23 verset 25 Balak et le roi Balak qui connaît que les prophètes bénis ont côté bénédiction encampé, il dit et Balaam ça que le fait qu'on pas qu'à maudit peuple Israël là et même pas béni non plus. Ça veut dire que quitter là pour le voter. Donc ça veut dire que nous pour un monde qui a servi El Shaddai, pas dire un monde qui a fait forme, pas dire un monde qui a prend prêtre non, qui a servi chez Benjadisan et en cachette et puis qui prend prêtre non El Shaddai pas ça me dit non, un monde qui a servi El Shaddai, un monde que El Shaddai relé, un prophète que qui dédicacé, qui dédié, n'est-ce pas? Là me parler de prophète, bon missionnaire, un monde qui dans cette pyramide là, un père, un pasteur, n'est-ce pas? On va parler de dénomination monde dans qui l'église ou marché dénomination qui on va parler de ça. On parler de monde que Shaddai choisi parce que il dit il y a plusieurs monde dans plusieurs pâturages. Faut le faire au mener au venir parce que Rahab la prostituée au monde était capable dans le temps, on pas jamais dit que Rahab était capable une grâce pour rentrer parmi le peuple Israël là pour arriver à Jéricho. On m'a parlé de Canaan, c'était Jéricho hein. N'est-ce pas? Pour aller explorer Jéricho, les Joseph voulaient explorer Jéricho, espionner, jouer une grâce dans le Rahab, et puis l'heure pour aller détruire Jéricho, Rahab était venu dans le peuple d'Israël. Qui l'aurait dit, qui l'aurait cru, qui était capable de penser ça? Et pourtant, il était déjà un bagage, comment je pourrais dire ça, une bénédiction qui était déjà pendiée sur lui que le pot côté qu'on est, parce qu'on pas qu'on futur, ou pas qu'on avenir, n'est-ce pas? Même si d'ailleurs on chanteur, on devin, là pour faire deviner pour nous, là pour des trois petits bagarres, mais vrai bagarre il pas carrel non. Donc Rahab la prostituée, t'es joine grâce dans Dieu, El Shaddai rentrer dans mitan peuple Israël là et puis il vient faire Boaz, il vient marier, faire vie avec un Israélite jusqu'à ce que lui fait Boaz. C'est quelque chose. Nous encore Ruth la Moabite qui ton prêtresse. Cap sacrifier Timoun à Moloch. Trouver grâce, li faufiler côté Machlom al rangeon bagay dans palais royal là, li rencontre avec mamzelle, li fait le cadeau yon petit parchemin pour li pour capable gain vérité, pour te connaître vérité pour la franchir. Ça vient kembel captif El Shaddai kembel parce que il te gon plan salvatrice pour Ruth, et puis il fait Ruth chercher contre Machlon mien, bien que Machlon mourit dans bras, mais El Shaddai te gon plan pour lui faire rester attaché. Même avec vous, moi-même je dis à moi d'où comme ça quelque soit côtoyer, à nan bafon koyer. Non, péché ou à commettre là, El Shaddai gen place pour pas qu'on vision pour ou pas qu'on futur, à chercher côté lié, chercher présence. La paix avoir pas humilier moun. En exhorter en toute sagesse même avec vous. Bon causer. Donc c'est comme ça chapitre 24 là fini. Donc nous Balaam fini dans causer on connaît là c'est peuple Israël là qui dans 20 toujours. Peuple Israël là pas apprendre des choses. Il pas apprendre et on fait et psaume 110 et il dit comme ça que et David dit comme ça que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc nous que peuple Israël là il y a un problème avec Balak qui a besoin de maudire, mais El Shaddai serve avec le prophète. Donc, il mettait encore ennemi en marche-pied, mais ça c'est pour Jésus-Christ, il l'a dit, parce que des fois, on a pris son mieux, nous ne pouvons pas nous connaître, c'est pour Jésus-Christ, donc, on connaît un paquet d'ennemis, pharisiens, sadducéens, n'est-ce pas, tout le monde ça yo, et prêtres, scribes, publicains, tout le monde ça c'était ennemi lieu. Donc, il était vaincu par la résurrection sur la croix. Donc, ça veut dire que les dit chita à droite pour faire regarder pour s'il pas faire une marche. Nous même tout nous capable dire même bagarre là toujours aujourd'hui. Si nous regardons des ennemis farouches et capitalonner nous. Donc nous connaît que El Shaddai lui-même les banou la banou victoire même vient te Jésus-Christ victoire sur la croix sur tout publicain, sadducéen, scribe, n'est-ce pas, prêtre ça yo avec tout le monde qui te mettait avec yo pour être capable maspiner, n'est-ce pas, toute équipe Pilate tout le monde ça yo. Donc, Hébreux 2, verset 17 dit Jésus, souverain sacrificateur, grand prêtre, plein de compassion. Donc, ça veut dire que son souverain bien nous, parce que nous, Balaam, t'as dit toute bagarre de Jésus de Nazareth. Donc, Hébreux 9, verset 7, Bible d'Arabie, il dit le grand prêtre est le seul à pénétrer. Donc, c'était le grand prêtre là, Aaron avec Moïse, qui était qu'à pénétrer, n'est-ce pas, le temps d'assignation qui se le lieu très saint. Mais Jésus-Christ permet qu'en série de monde, après sa mort et sa résurrection, et avec le Saint-Esprit que quittait pour nous capable pénétrer en série de gros côtés, qui se côté la présence du divin, sans que nous pas passer par un intermédiaire. Donc, même avec vous, t'es chargé. T'es chargé en ouest, si t'as quitté péché. Et Esaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de El Shaddai se lève sur toi. Donc, moi, avec vous, on prend El Shaddai au sérieux. C'est pas un jeu. Toute journée, on a promené que c'est chrétien, nous, et chrétien. Faites-vous valoir, essayez de montrer, prouvez ça chaque jour que c'est chrétien, nous, et vraiment, prouvez à travers le comportement, tout ça n'a fait, tout ça n'a dit. N'est-ce pas? Parce que peuple Israël est arrivé à Moab, il n'a pas prouvé que ça servait El Shaddai vraiment et lui montrer que c'est un monde ordinaire parce que on voit ça le chapitre 25 là dans Bible Gédéon toujours il dit Israël demeurait à Shittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ouais. Ils ont commencé à livrer à la débauche quand ils dans désert oui, ils ont paraître dans grande ville qui c'est Shittim, dans zone Shittim et ben dans plaine de Moab, ils ont commencé à faire va-et-vient. Il a sorti dans camp, fait va te vient, puis il regarder ça gain, et ben il est tombé dans l'idolâtrie. Parce que non désert pas gagnons, ils font campement géographique dans désert là. Même pas gagnons en barrage quelconque, on désert son barrage qui vaste. Ça veut dire que là gain rentré sorti 70 anciens et les filles encore nous on pas quelqu'un qui est en mourir, monde qui t'a ka bay contrôle, monde t'a ka aider. Moïse seul. Il n'est pas seul parce qu'il gagne El Shaddai, mais au niveau matériellement parlant, et humainement parlant, il est pour contre lui censé. Parce que il pas qu'on est avec qui moun vraiment capable faire, c'est El Shaddai seulement qui campe avec elle dans le désert là. Parce que le peuple a fait va-et-vient, il a fait dérapage, et nous que c'est El Shaddai qui a dit que ça a passé, n'est-ce pas? Et puis parce que l'une a couvert pour l'autre dans le désert, dérapage a fait, Moïse perd du contrôle. Mais El Shaddai n'a pas perdu du contrôle, par exemple. Parce que nous disons encore, il y a un attribut incommunicable qui c'est omniprésence. Il a gardé toute bagarre, il a géré bagarre, parce que lui-même, c'est bois pirou, il est capable de boire de tous côtés. Il dit encore, le peuple a livré à la débauche. Et verset 2, elle invitait le peuple, ça veut dire que le peuple Mourabla invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Il oubliait des rapages qui étaient faits avec vos dollars, il oubliait ça qui était comme passant en Égypte dans l'idolâtrie, il oubliait ça dans l'âme. Yo continue à faire même dérapage non et ben yo rentré dans mi-temps peuple Moabite là, qu'on a là, il a le servi Dieu Moabite là, il a assisté dans fête, il a mangé au bois, n'est-ce pas? Et El Shaddai te dit, les nous quitter l'Égypte, pas mélanger avec peur, pas faire ça, pas ça, de peur que me tourner, que faut mettre feu dévorant dans nous, il y aurait tout ça passé, habillé avec adieu, il y aurait ça passé comme dérapage qui était fait avec bagaille vaudor là, il y aurait ça passé côté El Shaddai te fait tout fait avec viande et tout fait avec viande, il y aurait du feu qui passé dans mi-temps quand, il y aurait et coré datant avec et toute équipe là qui était enfoncé dans la terre englouti yo ouais toute qualité des bagages même yo crié rien ça même Josué parlait de ça Josué chapitre 22 verset 17 Bible et se meurt Josué 22 verset 17 Bible se meurt il dit regardons-nous comme peu de choses le crime de Beor dont nous n'avons jusqu'à présent enlevé la tâche dessous de nous. Il dit comme ça que mes amis songez et nous n'apprend que les Josué viennent des problèmes avec eux après la mort de Moïse. Il dit songez bagapeor ça attaque dans peor parce que c'est dans peor bah ça est là. Et écoutez adorer baal peor ça privé nous jusqu'à présent nous pourquoi même j'aime guérir de plaie ça parce que tellement j'allais jouer mon temps de oui. L'Éternel dit à Moïse, j'allais dire à Moïse assemble tout le peuple. Fais pendre les coupables. Devant moi, en face du soleil. Nous connaissons l'étoile brillante du matin et soleil levant. C'est comme ça. Donc, il dit, devant moi, là. Je vais faire un miracle, je vais tuer le monde. Il dit, je vais tuer le monde. Jérémie 23, Bible et se meurt, dit, ne suis-je un Dieu que de près, dit El Shaddai, et ne suis-je pas aussi de Dieu de loin? Jérémie 23. Moi-même, son Dieu qui reprend. Est-ce que m'ba loin tout? Ça, c'est question de poser, oui. Moi-même, avec vous. Elle a voué mon al fait commission pour nous. Nous connaissons qui côté m'a ben dit, nous connaissons. Elle a voué faire commission pour nous parce que nous pas déplacer et puis d'après les têtes, nous chrétiens. Nous pensons, c'est pas vrai? Qui te péché? Tout est qu'on fait qui te péché. L'on servir son nouvelle créature, changer camp, ou changer métier, changer fuseau d'épaule. Parce que son forfait, qui ça Matthieu 6, 24 dit. Matthieu 6, 24 dit, nul ne peut servir de maître. Personne n'a pas servi de maître. Car, ou il haïra l'un, ou bien, il haïra l'un, ou bien l'autre, ou pas carrément des mots en même temps. Même si ou pas carrément des nègres en même temps. Ou pas carrément des filles en même temps. Faut gagner ou plus répenchant pour lui, mes amis. Même j'entends, ou pas carrément des maîtres en même temps, faut choisir une, parce que l'OAPC est qu'un bé tout, on perd tout, oui. Ou bien des nègres, et puis, yon qu'un mot, vous perdez tout, deux. Ou bien deux filles, on ne peut pas du tout deux. Ou bien deux mètres, tout observé chez Benjadis, on observe El Shaddai. Et puis, au moment de la durée, on pas bien choix quitter une parce que gagne une cap mettre au pied du mur. Parce que chez Benjadis, on pas d'accord pour servir El Shaddai. El Shaddai pas d'accord pour servir chez Benjadis. On va arriver dans position, on va obligé de déposer ou baisser les âmes. Eh bien, c'est ça, peuple Israël là, tu gagné. Eh bien, El Shaddai te mettait au pied du mur, n'est-ce pas? La colère d'El Shaddai s'enflamma. N'est-ce pas? Nous, ouais, que, lui mandait en bagaille. Verset 5, Moïse dit au juge d'Israël, côté Barat sa sortie, nous dans Nombres chapitre 3, il était établi des chefs de famille pour chaque tribu. Ça veut dire qu'il était juge qui pouvait juger peuple, qui pouvait juger chaque tribu. Donc, il y a des réunions en commun et puis il vient devant Moïse. Donc, on a là, Moïse réunit tout chef ça pour le demander un jugement parce qu'il y a Shadarelel, parce que Gomba a qui prend le fait là. Ah. Mais Exode 34, verset 7, Bible d'Arbi, il dit, il ne tient point le coupable pour innocent. Parce que Mounsa yo al fait des dérapages, al adoré l'autre Dieu, Moïse pas ouais, mais lui-même lui ouais, nous te dit encore. Jérémie 23, il dit lui-même j'en prie à loin tout, il capable ouais, même avec ou on qui te péché, si nous pas fait ça l'a du pour nous. Là nous comprenons bien côté toute bagaille nous a marché, El Shaddai pas ouais, moun pas ouais, c'est ça pas ouais, frère ça pas ouais, pasteur pas connaît, père pas connaît, eh ben chacha connaît, El Shaddai connaît. Même avec on qui te péché. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena ses frères une Madianite. Yon paraît dans tribu, il dit, mes amis, mes problèmes nous gagnons sur Madianite qui entre dans mi-temps nous, qui bail problème comme ça. Sous les yeux de Moïse, parce que nous songeons, c'est grand paquet de peuple, n'est-ce pas, selon Exode. Il y a toujours un petit problème, oui, là. Verset, il tourne encore, n'est-ce pas? Il retourne encore. Et on paquet l'autre peuple, n'est-ce pas, qui était rentré selon Exode. Et qui est rentré dans Exode chapitre 12, n'est-ce pas? Dans verset 37 là. dans verset 38, il y a eu une multitude de gens de toute espèce montée avec eux. Donc ça veut dire que, nous disons encore que l'Égypte est en plate tout l'entité de l'économie. Donc ça veut dire que tout parti, on pas qu'un peuple qui était demeuré là. Donc là, on a trouvé bonne grâce en Dieu, peuple Israël là. Peut être capable de rentrer dans mi-temps, parce que, pour être capable de sauver la vie, parce que, ouais, ça t'a passé, que c'est seul Gozen, nous soyons Gozen, c'est zone, ça, que les, Jacob qui quitté Canaan, c'est dans zone taltalé parce que c'est dans en Égypte que Joseph était, c'est côté ça qui était fertile pour être capable de gagner bête cela. Donc c'est là où était demeuré. Donc que l'autre gain plein d'Égypte, c'est Gozen seulement qui était épargné parce que c'est là Israël était hérité. Donc le peuple qui tout peuple qui était venu en Égypte travail, vient chercher la vie, là ouais toute bagasse qui a passé position ping-pong qui t'a fait bataille ping-pong ça qui t'a fait relation ping-pong qui t'a fait entre El Shaddai et peuple égyptien particulièrement Pharaon avec tout plus haut, mais on était rentré dans chercher et affilier avec Israélite de façon pour capable gagner la vie sauver, mais c'est monde ça qui fait parler de Madianite qui était dans mi-temps yo, qui a bail problème aussi. Et puis nous les fin encore les camper tout dans désert tout gain monde qui trouver bonne grâce tout parce que t'es camper dans zone Madian tout et on rentrer et puis nous songer tout que c'est là que Sophora sorti n'est-ce pas madame Moïse c'est à Madian était font bon coup camper là jusqu'à ce que Moïse t'a demandé et frère et Sophora pour être capable guider dans désert. Donc nous ouais que t'es grand pile faux filage qui t'es fait en pile faux village, en pile dérapage, en pile l'amour tout. Donc Madianite ça t'est venu obligé t'es marié avec un Israélite tout. Eh ben, je dis sous les yeux de Moïse, eh ben tout le monde ça t'est venu, eh ben Finé qui était petite petite Eliezer, petite Aaron, verset 7, il dit à cette vue, donc Nombres chapitre 25 verset 7, à cette vue Finé fils d'Eliezer, ça veut dire petite Aaron et petit neveu Moïse. Fils du sacrificateur Aaron se leva du milieu de l'assemblée, l'y levait, l'y prend, on lance dans main, l'y suivent, et homme Israël, ça, dans tante l'y pèsel, ni lui-même, ni madame, ni t'es Madianite, là, et dans bas ventre, et pour capable arrêter problème, ça, parce que El Shaddai demandait pour capable prendre, c'est la pendaison, il demandait pour, et météo, sous bois, prendre, pour capable boire bagarre. Donc, il dit, tant des bagarres là, nous-mêmes qui captons des mondes qui sont disant dans pyramide là, qui dit que, El Shaddai est trop bon pour punir, c'est on seul bagarre capable de l'évangile de la postérité, et c'est côté la ruche, n'a marié, n'a bien goto, go caille, El Shaddai est trop bon pour caler, mais bah sol. Est-ce que pas caler le caler là, m'pas connaît, dis si nous trouvons notre définition pour ça. Nous parlons qui ça dit pour finir qui tuer Madianite là avec tout Israélite qui est en complicité dans bagay Moab là qui fait idolâtrie qui cause tout le monde ça au pendant. Il dit il y en a eu combien oui verset 9 Nombres 25 verset 9 Bible Gédéon il y en a eu 24 000 24 000 moun qui mouri parce que tu participé dans l'idolâtrie. Donc n'a songé n'est-ce pas n'a songé combien de monde qui t'est sorti, n'est-ce pas, en Égypte? Combien de monde qui mourit dans le désert? Là, m'a fait révision, chapitre ça, m'a fait le décompte encore pour me dire nous combien de monde qui t'est sorti et combien de monde qui mourit. Là, m'a fait révision, chapitre non, pour me faire nous songer exactement encore. Qu'on a l'attendu qui ça El Shaddai dit, il est content, ça finit faire. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finé, fils de Lazare, fils du sacrificateur, a détourné ma fureur. Il fait m'a fâché encore. Pour ça le faire. Parce qu'il a été animé de mon zèle. Il n'est pas dit que animé de zèle, j'ai déjà dit ça, non. Animé de mon zèle. C'est moi-même même qui rentre dans lui-même qui fait le faire. Lui-même, il fait le pour moi. C'est pourquoi. Prenez la map ou message pour bali pour moi. Verset 12. C'est pourquoi tu diras. Ou à définir pour moi que ma prête ton alliance de paix avec elle. Ce sera pour lui et pour sa postérité. Postérité. Pour moun la kaeli après lui. L'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Ça veut dire que je vais toujours faire à la tête dans la pyramide pour prêcher l'évangile. Ah, ah papa. Meni. Tandis que nous voyons que bagaille changer qu'on a, c'était dans la période de la conquête. C'était dans la période de la loi du talion. Pour être dans prudence, on fait ses lois. Mais nous-mêmes, nous pas doit faire barrer ça encore. Jésus t'a parlé dans Luc chapitre 9, verset 54-55. Là, Jacques avec Jean t'a demandé pour le feu du ciel tomber sous Mounio parce que Patrice Voyo. Il dit, Jésus dit, je ne sais de quel esprit vous êtes animé, nous pas rien doit faire ça. Il dit, le fils de l'homme ne pas deviner pour le perdre des âmes, mais pour le capable demander, n'est-ce pas, pour moun changer, moun faire nou bagay, pas prier pour mal arriver, demander changement pour lui. Pas tuer moun, nous pas gen mandat ça pour nous dire on parle de chouke, pas de chouke moun tande a tuer nous. Quitter cet esprit fait travail li, n'est-ce pas? Hébreux 12 verset 12, il dit sans la sanctification personne pas ka El Shaddai. Jacques 4 verset 3 dit vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, ça veut dire que nous abservi de mettre à la foi. Non pas sincère. C'est ça que fait ba arriver nous. Même avec couteau et puis les papa nous doit pour nous déchouquer bagay moun, prier pour moun nan, quitter le Saint-Esprit fait job li. Eh ben toute bagay ça aussi nous fait yo, nous demander mal, les comme ça, n'a demandé bon Dieu la vie et puis c'est la mort qui vient parce que les pas voyer nous faire déchoucage. Bah j'ai des en tout que les Jérubalem t'a craser temple dans époque ça, époque de la conquête, c'est Shaddai qui te ba doit nous même cet esprit papa nous doit ça. Shaddai pas ba nous doit ça, c'est pour ça qu'il quitter le Saint-Esprit. Donc tout le monde a mouru dans le désert, net. Nous te voyons dans Nombres chapitre 14, verset 20-25. Il te dit, excepté Caleb avec Josué qui a rentré. Donc, il commence à tuer au grain par grain. Donc, est-ce qu'il peut tuer? Oui, il peut tuer. Est-ce qu'il est capable de non pour faire bagarre? Oui. Donc, nous respecter tête nous, faire respect nous avec elle. Il a grindé avec nous, les nous faire bagarre bien, les nous pas faire bagarre bien, c'est calé dada. N'est-ce pas? Il dit, il a fait alliance avec lui. Donc, c'est comme ça que le chapitre là finit là. N'est-ce pas? Il parlait avec Moïse, il dit, il a tué tout le monde, et séduit. Donc, il dit qu'on s'appelle l'affaire de Beor, l'affaire de Cosby, chef de Madian. C'est côté qui était tué sur dans l'occasion de Beor. Nous, un paquet de bagages qui est arrivé. Nous dit que, grand pile monde, c'est artificieux qui a rentré dans ruse. On m'avait qui était péché parce que, on a fait ruse, El Shaddai, ouais. Ok? El Shaddai, ouais. On fait couper avec 2-3 terriens, papa, pour ne pas oublier les terriens. C'est important. Donc, nous avons, selon Job 33:14, El Shaddai agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il laisse du feu le faire passer dans le temps, il laisse prendre le faire prendre, il laisse la telle fangloutie. Même avec nous, on quitte péché, nous ne pas nous même qui l'autre manière la petite lise pour frapper avec nous. On quitte péché parce qu'il y a plusieurs autres. Qui ça et un nom proverbe italien 1826 dit celui qui est capable de tromper une fois est traître pour toujours. Dit monde qui est capable de tromper une fois a traître pour toujours. Nous pas bizarre là toujours tromper hein. Donc il traître pour toujours. Qui ça Heidegger dit nous venons trop tard pour les dieux et trop tôt pour l'être. L'homme est un poème que l'être a commencé. Il dit que nous venons trop tard pour Dieu parce que nous que Shaddai était déjà là, le gouvernement était déjà là, tout en était déjà sur place. Il dit nous venons trop tard parce que ça fait une balle de bonnes dates comme ça. Oui, nous venons trop tard pour les dieux parce que nous pas adapter nous parce que nous venons trop tard dans le là. Il être là trop pour nous. Qui ça Simone de Beauvoir dit? Simone de Beauvoir dit choisir la vie c'est toujours choisir l'avenir. Et nous songeons dans Deutéronome côté El Shaddai a parlé, il dit comme ça que il mettait devant eux la mort et la vie choisit la vie. Donc, Simone de Beauvoir, philosophe, ça dit comme ça que choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir. Parce que c'est vrai, parce que le peuple Israël n'a pas choisi l'avenir. Parce qu'il n'a pas choisi la vie. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas suivi tout conseil, toute modalité que El Shaddai était bali dans le désert pour le suivre. Et avant de quitter l'Égypte, lorsqu'il traverse la mer Rouge, El Shaddai fait un pour parler avec eux pour lui dire que mais ça pour ne faire, mais ça pour ne pas faire. Et sur toute route, là, tout les fait campement retour, ils tout après appeler, mais après venant telle zone pas m'entrer dans mitan. Donc c'est eux-mêmes qui choisissent la mort. Ils choisissent faire mauvais bagarre ou faire la mort. Donc je t'en ai parlé dans Nombre chapitre 25 et chapitre 24 et 25 était un fusionnement qui était fait. On a été Balaam qui était fâché parce que Balak et roi Balak qui était fâché parce que Balaam pas maudit peuple Israël là, mais Balaam pas de choix et il était obligé de quitter tout enchantement ça aller, ça veut dire toute belle bagarre ça toute belle promesse toute belle accompagnement ça et pas la croix la bon jus bon du vin, il était obligé de quitter bagarre ça toute pour belle promesse était faite. Et alors pour aller dans le désert qu'on a pour aller camper même j'en dit qu'on fait. Donc il dit que bien préparer la caille, moi même avec tout ça qui brillait par là, il laisser dans le désert pour être pour capable rentrer en contact avec El Shaddai, ou pas obligé gain bidet d'or, ou pas obligé gain gros tonton l'église, c'est pas ça qu'a pas le faire. Moi même pasteur avec père, m'a parle avec nous directement cette fois-ci là, c'est pas gros l'église, c'est pas gros installation qu'a fait nous les pasteurs, qu'a fait nous les prêtres pour ça, nous capable gon petit paroisse et puis nous fonctionner dans petit paroisse là et puis cet esprit là, nous capable gon gros paroisse tout fonctionner tout oui. Ça dépend de la relation avec El Shaddai. Si nous pas quitter gros paroisse ça rentrer dans tête nous trop ou bien gros l'église rentrer dans tête nous trop et nous pas de problème même depuis cet esprit là c'est bravo même si c'est un gros bagage depuis cet esprit là bagarre mais le plus souvent est-ce que pas gain temps pour connaître fidèle pas gain temps pour faire jeune pas gain temps pour prier parce que l'église trop gros et pas gain temps comme monde Donc, même avec vous, cherchez le royaume des cieux avec justice, et puis tout bas, alors, venez par sur quoi? Non, pas dit pour nous parler dans le luxe, non, mais évitez, non, pas obligé, tout, depuis on machine venir, c'est lui-même pour madame, nous, pour Marie, pour pas avoir sanguin, il n'est pas obligé. Et il n'est pas obligé de gagner une grosse machine, il n'est pas obligé de gagner une grosse installation, c'est pas ça qui a sauvé, c'est ça que il gagne dans lui-même, c'est Saint-Esprit qui a sauvé. Donc, même avec vous, on quitte, on quitte péché, on cherche face bénie, El Shaddai, nous, que temps n'a pas brégé, on pas qu'être mon abdi, autant fini, t'es toujours gain ça, mais t'es toujours gain ça, mais t'es gain barak qui puis raide passer, barak, donc, il t'est montré, nous, avant l'aller, Jésus-Christ, Yeshua, t'es quitté des signes pour nous, pour montrer, nous, que finalité barak, nous, contrat fini, toute barak. C'est si on finit c'est de l'eau mettre dans bidon pour si tu as avion non tu courir la donne. Donc moi avec on qui t'es péché et puis on ouais si tu capable être en bas du El Shaddai et puis songer que l'icône calé dada et fin encore il gagne yeux pour ouais soit fait en secret lui même il capable détecter il capable mettre au grand jour parce que il dit comme ça que la sous gon là pour pas mettre en bas table là c'est sous table là pour mettre pour briller pour tout le monde ouais moi avec ou la paix avec ou et ben si nous tiède de la vomi nous tout que mon qui dit même pas non mais sous tiède de la vomi et puis sous selon Matthieu 6:24 ou pas capable servir 2 mètres à la fois faut choisir une même je pas qu'à choisir de nègre ou pas qu'à choisir de fille et mais qui t'es péché pas caresser il pas en forme il pas en garçon la paix avec on prier pour nous continuer pour capable mettre fin à vidéo ça et Rédempteur El Shaddai dans moment ça nous remercions infiniment pour vidéo ça qui sont faites là que nous capables demander pour capable ouvrir les yeux nous ouvrir entendement nous yeux spirituel nous yeux spirituel non pour nous capable ouais clair même j'en te permettre pour Balaam capable ouais clair pour nous capable quitter péché même Jean Moïse était capable demander pour ouvrir les yeux pour ouais mais guider nous garder nous protéger nous pour nous capable rester en conformité avec vous afin que l'or vienne pour capable venir nous dans règlement nous nous merci aider nous garder nous pour conseiller pas parce que nous bon dit mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vivra au siècle des siècles. Amen. Ciao, je vous aime. Shalom, shalom, ciao. Restez branchés, mes amis, pas servi de maître, et puis, quitte, moi avec vous, on quitte chez la pervo. Ciao, shalom, moi.